Bonsoir tout le monde, nous très content de retrouver pour nous présenter un numéro spécial pour l'histoire ça. Après nous avons fini de faire un tweet parler de belle musique ça, J.P. Rui était chanté avec Chaba. Côté que Walt Disney, Disney pral acheter pour 200 000 $, en plus le monde mettait deux mains en tête, il y a pas quoi information ça et on demande plus de détails sur ça. Oui, effectivement, Disney pral acheter musique ça pour 200 000 $ américains. Mais avant que nous baille détails combien chaque musicien a été sorti. Il est important pour nous dire que c'est pratiquement c'est en production de Bowley Records, qui est une compagnie qui était chargée pour produire musique là. Donc Bowley que nous connaissons pour dire c'est Carl Friedrich Berman qui a dirigé. Mais production musicale là, donc beatmaker là, donc monde pour dire qui travaille sur beat là en dans studio qui fait tout travail. Mais c'était Power Surge. Power Surge, je nous connais pour dire, c'est un beatmaker, c'est un producteur international qui travaille avec un pile gros artiste international, qui travaille avec Florida, qui travaille avec Wyclef, pour me citer ça seulement. Et bien, c'est Bowley Records pratiquement qui était prêt à gérer tout le bagaille. Et puis Power Surge, tu as gagné deux voix pour travailler avec les musiciens dans le studio. Maintenant, un pile monde là, Apton et. Gros causé. Donc, à combien chaque musicien yo te sorti? Donc, faut que nous disions que c'est un bagage pour dire qu'il était bien reparti parce que c'est une musique que Disney était prêt à utiliser pour un film qui est les Cars. Donc, il y a plusieurs là-dedans. Donc, moi, je crois que c'est dans le troisième qui était prêt à utiliser la musique. Ça, et bien, presque, on nous dit chaque monsieur était prêt à sortir avec 50 000 $ vert. Donc, moi, pensé pour dire c'est énorme. Pour un grain de musique, chaque monsieur pral sorti avec 50 000 $. Donc, comme étant donné pour dire, c'est yo 4 là qui était censé travailler plus sur musique là. Donc, yo chaque sorti avec 50 000 $ américains. Donc, il était important pour nous bailler tout détail ça ou sous. Et tweet ça que nous avons fait à soir, nous avons pratiquement qui enflammé Internet. Là. Donc, nous avons dit, pas déconnecté, toujours suivre la mijose sur Twitter, suivre nous tous côtés, et de temps en temps, et petit tweet pour l'histoire, ça va venir. Et me pensais pour dire, il y a intéressant, de temps en temps, je vais venir avec quelques petites vidéos pour me donner plus de détails sur ça. Nous avons retourné sur musique décollée, hein, que m'a bien pour me faire un tweet sous lui et m'a bien pour me faire une vidéo autour de lui parce que il y a un pile de détails moi pensé que non pas connaît de musique ça très important. William Lamy George pour l'histoire gaz collé.